Salut les amis et bienvenue sur Python officiel pour la dernière vidéo du tutoriel pour savoir comment télécharger une photo Instagram. Si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, je vous invite à consulter la chaîne et aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Alors on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser à une autre application. 1. Télécharger BatchSafe. Ouvrez l'application Google Play Store. Appuyez sur la barre de recherche. Tapez BatchSafe. Appuyez sur BatchSafe for Instagram. Sélectionnez Installer. Appuyez sur Accepter quand vous y êtes invité. 2. Ouvrez BatchSafe. Appuyez sur Ouvrir à droite de la photo. BatchSafe ou appuyez sur l'icône de l'application BatchSafe dans votre tiroir d'application. 3. Sélectionnez Passer. Ce bouton se trouve en bas à gauche de l'écran et permet de passer le tutoriel. 4. Connectez-vous à votre compte Instagram. Saisissez votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe et appuyez sur Se connecter avec Instagram. 5. Appuyez sur Rechercher. Il s'agit de l'icône en forme de loupe dans la partie inférieure de l'écran. 6. Sélectionnez Rechercher un utilisateur. Ce champ de texte se trouve en haut de l'écran. Si vous ne le voyez pas, appuyez d'abord sur l'onglet Utilisateur dans le coin supérieur gauche. 7. Entrez un nom d'utilisateur. Tapez le nom d'utilisateur du compte depuis lequel vous voulez télécharger la photo, puis sélectionnez Rechercher un utilisateur sous le champ de texte. 8. Appuyez sur le profil de l'utilisateur. Il devait se trouver en haut dans les résultats sous la barre de recherche. La page de profil de l'utilisateur va s'ouvrir. 9. Sélectionnez une photo. Faites défiler la page jusqu'à la photo qui vous intéresse, puis appuyez dessus pour l'ouvrir. 10. Appuyez sur la flèche de téléchargement. Elle est dirigée vers le bas et se trouve en bas à droite de la photo. Appuyez dessus pour télécharger la photo sur votre Android. Vous la trouverez dans la galerie photo de votre appareil. Alors les amis, c'est tout pour cette dernière vidéo du tutoriel pour savoir comment télécharger une vidéo sur Instagram. Abonnez-vous pour avoir accès à d'autres tutoriels pratiques si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas de liker et de partager si la vidéo vous a plu. Au revoir.